Aujourd'hui, on est à Vannes. On vient d'arriver sur un petit spot qui est vachement rapproché, mais avec beaucoup de hauteur. Donc là, on va commencer par s'échauffer. Là, j'ai une petite line en tête à base de pin flip sur une barrière penchée. C'est bizarre, mais c'est cool. Oui, let's go. Allez. Yes. Let's go. Je viens de faire ma line et là, c'est Val qui est en train de se chauffer. Il a une petite line un peu sketchy, en vrai c'est stylé. Un peu de parcours pur. La barrière est en biais, du coup l'appui il est pas bien. Il faut arriver à monter assez ici pour avoir un bon appui là. Il y a le droit sur le mur là qui est aussi en biais. Mais une fois que la récepée est bonne là, je pourrais faire le détente à la fin et normalement tout devrait bien se passer, ça devrait le faire. Yes. Dommage. Oh la glissade. Ça a glissé là. Ouais, ça a glissé, j'étais trop en arrière, j'ai fait un très mauvais pas d'élan. Et j'aurais peut-être pas dû envoyer, mais c'est pas grave. On va refaire. Oui. Validé. Oui. Yes. C'était un bac dans le mur, je l'ai ressenti dans mes fesses. Wow. Il était beau. Ça paraît énorme. Ce mec il est immense. Oui, let's go. Léo il va faire un front de prep. Ah non, il va le vortex, il a dit. Après il va faire le front ici, celui qui est un peu plus haut. Juste là là. Il est quand même, c'est quand même un sacré front. Il a dit si lui il se passait bien et que... Ok, c'est parti carrément. Il a dit que si ce front se passait bien, il irait peut-être faire le gros en haut. Donc un peu comme Dom Tomato au final. Et il est vraiment haut. C'est celui là là. Il est... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est quand même sacrément grand. Mais ouais, en vrai celui-là, je suis d'accord avec toi, il a beau être plus haut, genre moi il m'inspire plus. Ouais, toi aussi. Ouais. Il paraît petit quand même, Val en bois. Il paraît pas grand. Ça me donne trop envie. Après, je sais pas si c'est le début du week-end et tout. Si je me blesse, c'est la merde. Et en vrai, je pense que ça va partir, franchement. C'est le plus gros que t'aies fait. Sur de l'herbe, ouais, je pense. Bon, bah au final, Léo, il a même pas fait le front de préparation qu'il devait faire à la base. Et du coup, il va direct faire le gros parce qu'il se sent mieux. Je l'évalue. Tu vas après? Bah non, je me suis fait opérer des ligaments croisés. Là. Ouais. Bah, c'était pas en faisant du street art, c'était en dansant le rock'n'roll. Ah ouais, ligaments croisés. En même temps, c'est hyper dangereux le rock'n'roll. Ah monsieur, je me suis fait opérer du ménisque. Oh là, gamin, j'espère que tu sautes pas là. Ah bah, je recommence tranquillement. C'était en faisant quel move de rock'n'roll? Quel mouvement? Ah, je sais pas comment il s'appelle, je lance ma partenaire en l'air. Ah ouais. Je saute en même temps et on retourne tous les deux. Tac, tac. Vous la niquez, quoi. C'est terrible, ouais, vous la niquez, ouais. Je crois que le sol, il est trop mou pour moi, j'ai fait un putain de trou. Faut pas que j'atterrisse dans le trou, sinon c'est l'entorse assurée. Ce qui est chiant là, c'est que il y a une route et du coup bah il y a plein de voitures qui passent. Donc à chaque fois, je suis obligé d'attendre le feu pour passer, pour prendre mes élans. Ouais, ça va le faire. Hein. Ouais. J'appelle le feu vert là. T'appelles le feu pour qu'il passe, Léo? Ouais. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si ça marchait ou pas. Dites-moi en commentaire si ça marche parce que c'est un mystère. Wouhou! Wouhou!
Ah, c'était fou, mec. Il y avait du airtime. Oh, il y avait du airtime de ouf. C'était fou. En vrai, quand tu regardes à froid le saut, il est bien fat. Bon, allez, on va au prochain spot. On a quitté le spot de la Garenne. Du coup, on est sur le deuxième spot, le spot de la cathédrale. Flo, il est absent depuis octobre dernier. Il s'est fait les ligaments croisés. Et là, ça va être le retour. Allez. Oh, oh oui, oh là là. Faut parquer, faut parquer. Ça y est, il est de retour. Un an. Let's go. Ça fait un an qu'on le voit pas bouger là, ça fait un bien fou. Vas-y, mais j'essaie de rajouter ça à la petite taille. Bah c'est parti. Let's go. En fait, j'aimerais bien utiliser l'inclinaison de ce pain pour faire leur chat, les petits tic-tac, genre à deux pieds, popés jusqu'ici. Mais bon, faut être vraiment bien positionné sur le chat pour prendre l'arbre un peu de côté et viser après. Oui! Oh, la machine! On est en train d'arriver sur le spot des facs. Lucas nous a dit qu'il y avait des roof gaps à faire, donc on va essayer de regarder ça. Et puis, s'ils sont possibles, on va mettre le drone en l'air et puis faire des plans. C'est parti! Oh là là, le plan! Ça régale en vrai. Oh là, ça régale de fou cette descente, gros! Putain, yes! Yes! Bon, ça y est, on a tous fait le roof gap là, ça faisait plaisir. Maintenant, on va enchaîner spot. Il reste encore un petit peu de lumière, on va essayer de trouver un autre spot. Ah, ça fait trop plaisir d'être sur un petit roof là, coucher de soleil. Les lumières elles sont trop belles. On va aller faire des petits sauts là. Puis si vous aimez bien nos vidéos, n'hésitez pas. On a un shop, on fait des vêtements, ça nous soutient. On peut continuer à faire des vidéos et des voyages. Donc voilà, si vous kiffez, let's go. Comme ça, on peut courir dessus. Oh, c'est trop stylé. Yes. Il me fait un peu peur en vrai. Il fait 11 quand même. Chat. Ah non. Allez, je m'arrête pas. Allez, femme. Allez, ça filme. Il a mangé. C'est obligé. Je pensais que t'allais percuche à plonger, mon gars. C'est bien. Ah ouais, j'avoue. Je vais le faire en line. Bon, c'est la fin de session. Il y a les gars qui se préparent pour faire une line à plusieurs, enchaîner plein de moves.